Je pense qu'il y a un engagement collectif de tout le monde. Tous les élèves ici sont fiers d'être un boomerang. C'est s'engager pour son cégep et donner son 100%. Je pourrais pas être plus fière que ça. L'équipe, les filles, je les adore. Personnellement, moi, je trouvais que c'était vraiment mieux encadré que les autres cégeps que j'ai visités. J'aimais l'équipe, il y avait une belle atmosphère. Tout était le fun. C'était bien. Juste aussi le fait que Lynn nous encadre dans nos réussites scolaires aussi. Ça fait que nos athlètes sont bons et à l'école et sur le terrain. Pour être un athlète au cégep, au niveau collégial, les étudiants doivent passer leurs cours. Fait que moi, une partie de mon travail, c'est aussi la réussite scolaire. Je vérifie les études, les absences. Et quand on voit que des étudiants qui ont des problèmes, on essaie de les diriger au bon endroit. Ici, on n'est pas juste des joueurs de hockey, on est des bons individus, des bons gars à l'école, puis au hockey, puis des bonnes éthiques de travail, puis c'est ça qui compte. Vraiment une belle expérience, là. On avait vraiment une belle esprit d'équipe. On était vraiment, t'sais, une équipe, là, c'est formé, c'est bien solide. On a beaucoup de sport, beaucoup de visibilité. C'est notre première année de rugby au cégep, donc juste le fait d'être la première équipe à partir le bal, je pense qu'on va pouvoir aller chercher beaucoup d'autres filles qui sont intéressées au rugby puis qui venaient pas au cégep André-Laurando parce qu'il n'y avait pas d'équipe. Maintenant, il y en a une, puis on va les accueillir les bras ouverts. Ça me donne l'opportunité de continuer à faire notre sport et d'étudier en même temps. Fait que ça, c'est le fun. Puis on s'attache à l'équipe, puis c'est le fun. Pour ma part, je retiens vraiment que le travail, c'est ce qui est le plus important. Puis tant qu'on travaille là, autant en muscu que sur le terrain qu'en pratique, puis qu'on a l'attitude qui de gagnante, dans le fond, c'est ça qui nous permet de gagner. Puis on voit vraiment que quand on se tient ensemble puis en équipe, on peut aller au bout de nos rêves puis aller vraiment loin. Des belles couleurs, c'est des belles valeurs, c'est des bons coéquipiers, c'est un excellent programme scolaire et sportif. Je suis pas si proche de lâcher le cégep, puis le boomerang m'a... Le cégep m'a permis de continuer mes études. Et sincèrement, ça m'a motivé encore plus au niveau du baseball. Donc, justement, c'est ça, c'est redonner au cégep. Puis, tu sais, je suis un gars qui vient de la salle aussi. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans le boomerang et je trouve que l'idée de fraternité nous rejoint vraiment tous, que tous les sports on soit réunis au sein d'une même bannière, de représenter une institution et une famille en fait, c'est vraiment ça. Enfin, dans nos têtes, on n'est pas tous très bien, puis le gym ça nous aide, les amis ça nous aide, l'équipe nous aide surtout, les coachs sont là pour nous. Je te dirais que c'est l'engagement que les jeunes donnent à leur sport, aux études. Ils rentrent ici au cégep avec beaucoup de fierté. Puis c'est ce qui fait en sorte que tout le monde en sort gagnant. Je pense que de la façon que c'est géré d'une façon hyper professionnelle, c'est géré aussi d'une façon universitaire. Je pense que ça revient aux valeurs et le genre de personnes qu'on essaie de recruter, en plus du support du cégep, de la direction générale, de la vie étudiante, mon patron, notre directeur général, tout le staff qui travaille avec nous. Je pense que c'est une victoire d'équipe, une victoire d'institution aussi. J'ai choisi André-Laurando parce qu'ils m'ont donné une chance. Puis je pense qu'à ma première année, ça m'a permis vraiment de me développer. Je pense que je vais les voir jusqu'à la fin de mes jours. On a bâti tellement une amitié qui est incroyable ici. Le sentiment qu'on peut pas décrire, écoute, ça fait... C'est incroyable avec la gang de gars comme ça. Je suis extrêmement fier de Boomerang. Ça fait 2 championnats. Guys, it's the best program ever! La meilleure organisation de la Ligue, je conseille à tout le monde de venir ici. Il n'y a rien de mieux qui aurait pu lui arriver. C'est une très, très belle organisation. Je pense qu'au niveau collégial, toi, c'est définitivement, selon nous, la meilleure organisation. C'est la crème des organisations dans le collégial. On était au bon endroit. Ouais. Ici, on vient de Québec. Choisissez Jeff André-Laurando. Je pense que c'est le meilleur environnement que vous pouvez demander avec l'école et le hockey, avec un très, très bon niveau dans les deux catégories. C'est sûr, c'est ça qui est le fun, parce que ce qu'on aime, c'est surtout amener les jeunes puis les voir grandir dans notre programme. Chaque année, on vise comme objectif de former des bons individus, former des bons étudiants, rendre les joueurs de hockey qu'on a chez nous les meilleurs possibles. Après avoir joué 2 ans ici, puis justement, comme j'ai dit, de pouvoir m'impliquer dans leur organisation, je pense que ça prouve que, je veux dire, j'ai l'organisation à cœur, puis je pense que je suis fier justement de représenter le AL partout à l'extérieur. We're extremely lucky as a coaching staff, as an organization, to have players like we do, individuals like we do, people like we do. I believe that great people make great boomerang. J'ai un fils en secondaire 3 qui est un goaler. Puis déjà, il veut venir jouer ici là, parce qu'il voit son frère aller. Fait que c'est André-Laurando all the way.